Donc bonjour, je suis Fabrice Clotil, directeur adjoint de l'EMPRO de la résidence sociale. Donc c'est un établissement en fait qui reçoit 34 jeunes de 14 à 20 ans en situation de handicap. Il y a le mot partagé en fait qui m'a fait me pencher sur ce dossier là en fait. Très concrètement, il y avait l'aspect sport, partagé, le fait de, je dirais, mélanger des publics sans barrière, quelle qu'elle soit, handicap, pas handicap, etc. Et de se dire, on prend les gens comme ils sont et puis on fait quelque chose ensemble. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et l'idée, bah, c'est qu'on se retrouve autour d'une activité commune et puis que les uns et les autres, en fait, au niveau des jeunes, puissent se découvrir et de se dire, bah, ok, au départ, on est un petit peu différent, mais en fait, finalement, on adore les mêmes choses, on peut pratiquer les mêmes choses, etc. J'ai toujours un temps d'échange avec mes jeunes le mardi matin, comment ça s'est passé. Et en général, j'ai que des retours positifs, ils sont contents. Je me dis, bon, finalement, c'est que ça a du sens, en fait. On va avoir une tendance, peut-être, à être dans la surprotection par rapport à nos jeunes. Tiens, bah, mon fils, il voudrait faire du football, mais ça s'est pas bien passé dans le club de foot, etc. Donc, du coup, je retente pas l'expérience ailleurs. Donc, finalement, l'enfant ne fait rien du tout. Et moi, je me sentais mal à l'aise en tant que professionnel à dire à des familles, ce serait bien que votre enfant fasse des activités. Mais une fois qu'on a dit ça, il ne se passe pas grand-chose, en fait, quoi. Donc là, l'idée, je trouvais que le projet sport partagé était bien, parce que bah, ça nous amenait une réponse concrète. Et l'idée, c'était de se dire, bah, chez nous, on a 6 jeunes qui le font, les retours sont plutôt positifs, et de se dire, bah, voyez, au local, il peut se passer des choses. Donc là, c'est un premier pas vers, en fait, à la fois l'autonomie et le loisir. Se dire, ah oui, si je mets le nez à la fenêtre, il y a des choses en fait à proximité. Je te parlais d'une association hip-hop art. Bah, techniquement, ben, pour moi, le sport partagé a permis indirectement à ce que des jeunes puissent aller en fait fréquenter cette association à l'extérieur. Et ben, si on part du postulat qu'on est tous pareils, entre guillemets, ça me semblait important aussi que les jeunes que j'ai ici bah, puissent avoir des moments de détente. Bah, tiens, le jeune qui se prend en main tout seul et puis qui est capable d'aller sur un lieu sportif, ben, directement, ben, il a fait une activité qui lui plaît. Ça a laissé aussi de la place, peut-être aux parents et aux familles, de pouvoir partager des choses avec le jeune. Et surtout, ça peut aussi rassurer les parents. Tiens, mon enfant, il est capable d'investir un lieu. C'est finalement d'y aller, quoi, en fait, quoi. Et de s'enlever ce frein-là. C'est-à-dire que, avant d'être en situation de handicap, ce sont des ados. Donc pour moi, le postulat de départ, ce sont des ados avec les envies, les aspirations d'adolescents classiques. Et après, de par la rencontre, des interactions, ben je vais apprendre le mode d'emploi de Julien, de Jules, de Fabrice, ainsi de suite. Et finalement, on se rend bien compte que il y a des spécificités, mais par contre, concrètement, ça reste des adolescents comme les autres. Enfin, je dirais un diplôme c'est toujours bien, mais j'ai envie de dire ça rassure surtout le professionnel et surtout l'employeur ou celui qui tient le mouvement. Après moi j'aurais plus tendance à parler de bon sens, d'amour des autres. Enfin, si on a envie d'aller vers les autres et puis qu'on a un minima du bon sens, a priori on a tout pour réussir. Si je dois parler de la démarche de formation et puis des stagiaires qu'on a accueillis sur notre structure, je pense que ça a cassé beaucoup de peut-être d'idées reçues, de craintes, de fantasmes. Enfin, ça a cassé beaucoup de choses du point de vue des stagiaires. Ça, je pense qu'ils sont repartis peut-être avec aussi de la sérénité, à se dire bah, une fois que ces idées reçues étaient cassées, et ben finalement, oui, enfin, c'est un monde qui peut m'intéresser. C'est aussi important qu'il y ait de la lumière faite sur ces initiatives. Plus on parle de nous, mieux c'est. Parce que finalement, ça va faire du bruit. Peut-être que ça donnera l'idée à d'autres structures bah, de se lancer dans le projet. Peut-être que ça donnera l'idée à des partenaires politiques, institutionnels, d'appuyer ces démarches. Dès lors qu'on commence à y mettre un petit peu de handicap, ça peut faire peur. Et donc du coup, ce type d'événement, de gros festival, peut aussi permettre de dire à ces acteurs des initiatives locales, vous voyez, finalement, ça s'est bien passé, vous avez passé une super journée ou une super semaine, donc allez-y.
Donc se retrouver autour d'un festival comme ça, bah, ça peut permettre aussi derrière de renforcer des liens ou créer des liens quoi, au niveau local.